Mes amis, j'aimerais vous partager une révélation que j'ai eue ce matin, parce que je pose ma réflexion en ce moment sur qu'est-ce qui fait que on vit des relations, on se met volontairement dans des relations qui nous amènent de la souffrance. Il nous arrive parfois de faire la promesse, de dire bon moi là c'est bon, ça suffit quoi, je ne veux plus me remettre dans une relation de merde qui ne me convient pas. Et malgré cet engagement qu'on fait sur soi, eh ben on ne la tient pas, on n'arrive pas à la tenir. Et à la prochaine rencontre, c'est comme s'il y a une faiblesse à l'intérieur de soi qui fait que, paf, on retombe dans les mêmes types de relations où finalement, il n'y a pas cette disponibilité vraiment, il n'y a pas cet engagement vraiment, il n'y a pas cette place vraiment qui vous est consacrée. Et je pose vraiment ma réflexion sur ça. Parce que je vois aussi cette mécanique qui s'enclenche à l'intérieur de moi. Et je suis contente parce que ce matin, en écrivant, hein, j'ai souvent des écritures automatiques le matin, j'ai vraiment une prise de conscience qui m'a éveillée et que je suis vraiment heureuse de vous partager à travers cette vidéo. Et cette prise de conscience, elle est la suivante. C'est que, qu'est-ce qui fait que vous vous mettez, qu'est-ce qui fait qu'on se met dans une relation en souffrance? Qu'est-ce qui fait qu'on remange le même plat qui ne nous convient plus? En fait, il y a une chose, c'est que quand on est en contact, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand, je vais parler de moi, je vais assumer vraiment ce qui se passe là, parce que c'est vraiment important, je crois. Quand je suis en contact de quelqu'un qui me porte de l'intérêt et qui me plaît aussi, il se trouve qu'il y a quelque chose qui s'éveille en moi. Il y a véritablement comme un feu qui s'allume immédiatement, de un ressenti intense qui s'éveille en moi. Et en fait, ce sentiment intense va tellement m'envahir que je ne vais pas percevoir la réalité, je ne vais pas voir la réalité de ce qui se vit. Ça veut dire que je vois bien en l'état que, tiens, la personne n'est pas disponible, tiens, là, la personne, ce n'est pas cette personne qui me convient. Malgré tout, je ne vais pas réussir à me raisonner puisque je serai drivée par ce sentiment intense qu'il y a en moi de vivre la relation, de vivre ce qui est là. Ce qui veut dire qu'il y a une part de moi qui ne contrôle plus, qui est hors contrôle par rapport à la situation. Parce que c'est comme si je vais être poussée à vivre la relation et non être poussée à choisir la relation qui me convient vraiment. Donc cette perte de contrôle, d'où elle vient? C'est ça en fait l'interrogation. Ça peut être aussi traduit par le fait que je suis déjà dans une relation où j'ai de la difficulté de partir. En fait, c'est le même processus. Je vois bien que la relation qui est là ne me convient pas, mais il y a quelque chose qui me pousse et que mon cerveau traduit par « j'ai du mal à quitter cette personne » ou « j'ai encore des sentiments pour cette personne, je ne sais pas comment la quitter ». Or, il y a une mécanique à prendre conscience et c'est ça que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. La prise de conscience que j'ai eue, en tout cas dans l'écriture de ce matin, c'est que quand je suis au contact d'une personne qui me porte justement cet intérêt, je regarde aussi mes notes, parce qu'il y a un ressenti fort et intense qui s'éveille en moi. Et l'erreur que je fais, et que certainement que vous faites aussi, l'erreur, c'est que je vais traduire ce sentiment qui s'éveille en moi, ce ressenti fort et intense qui s'éveille en moi, comme un sentiment que j'ai pour l'autre personne, une envie de vivre cette relation. Or, et ça c'est l'erreur, or la réalité tangible, là la relève factuelle, c'est que attendez, ce que je ressens c'est mon désir de vivre, oui, et donc je ne vois plus la réalité. Je ne vois plus la réalité. Ce ressenti qui s'éveille en moi, c'est la première chose dont j'aurai contact. J'ai contact avec mon désir de vivre une relation. Je suis en contact avec mon désir et mon besoin, mon envie de vivre une relation et d'être en relation de manière intense.
je ne sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce ressenti qui s'éveille en moi de mon désir de vivre la relation de manière intense et la réalité qui est tout autre en fait. Donc mon cerveau, il va juste sélectionner l'intérêt que la personne me porte, mais il ne va pas sélectionner que cette l'indisponibilité de la personne, le comment dire, le peu d'amour ou de disponibilité de temps que la personne m'offre. Vous voyez? Donc en fait, il y a un décalage qui se crée et plus le décalage est grand et plus je vais me mettre en souffrance. Mais la question ici, du coup, c'est ça, c'est comment faire en fait pour se sortir de là. La première chose, c'est que vous avez besoin de prendre conscience de ce que je dis là. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous porte de l'intérêt et que vous aimez aussi, que vous appréciez aussi, forcément votre désir intense d'être en relation, votre envie intense d'être en relation va s'éveiller en vous. Et donc, là où vous vous perdez et là où vous avez besoin de mettre de la conscience, c'est de bien comprendre que la première chose dont vous allez avoir contact, c'est ce ressenti-là et la première chose dont vous allez avoir contact quand vous allez rencontrer l'autre, d'accord? Ou quand vous êtes déjà dans votre relation. Mais c'est complètement différent de est-ce que ce désir et cette envie d'être en relation intense peut se goûter vraiment, peut se vivre vraiment. Et c'est là où ça nous appelle à la vigilance de ne pas confondre, et c'est cette confusion qui nous met dans des relations de souffrance, justement, c'est de ne pas être en confusion que ce sentiment et ce désir intense de vivre la relation et qu'on goûte, puisque c'est la première chose dont on a contact soi, ce n'est pas les sentiments qu'on ressent pour l'autre. Ça ne peut pas être ça. D'accord? Les sentiments d'amour véritable qu'on a pour l'autre dépendent de la relation qui va se développer en fonction de comment l'autre va se comporter avec nous, en fonction de l'amour qu'on va recevoir, de l'importance qu'on va recevoir, de la considération qu'on va recevoir. C'est ainsi que les sentiments « j'aime la personne, j'aime la manière dont cette personne est avec moi ». C'est ça les sentiments, d'accord? Sinon on est dans un sentiment de « on projette notre désir de relation auprès de cette personne, mais ce n'est pas du tout ce qui est vécu ». Donc ça nous demande véritablement d'avoir ce recul et cette conscience de cette mécanique qui se fait au niveau de notre cerveau, de cette programmation-là qui se fait au niveau de notre vibration qui nous dépasse parce qu'effectivement, on est en contact avec notre désir intense de vivre la relation, mais on n'est pas en contact avec la réalité du rejet, de l'absence de l'autre, de l'indisponibilité. D'accord? C'est la raison pour laquelle c'est difficile pour nous de prendre la décision d'arrêter de dire stop, je suis stop parce que ça ne me convient pas. Donc, si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène juste à prendre conscience et c'est ça en fait que je me suis dit, d'où ça vient? C'est tout simplement parce que vous avez une programmation dans votre vibration intérieure depuis votre enfance où certainement vous avez eu envie. Vous avez ressenti ce désir fort d'être en lien avec votre mère ou en lien avec votre père dans une relation d'amour vraiment. Et en contrepartie, vous avez ressenti l'indisponibilité de votre mère ou de votre père. C'est-à-dire que l'autre en face de vous vous a montré, fait ressentir que vous n'êtes pas la priorité, qu'ils ont d'autres préoccupations et que vous n'êtes pas la priorité. Et donc, vous avez engrammé ça dans vos mémoires cellulaires. Ça a créé une programmation en vous, dans cette combinaison de quand il y a un désir d'être en lien, mais ça ne peut pas se goûter à l'extérieur. Donc, ça devient votre norme. Ça devient votre norme. Et vous vous dites, ben ouais, ben moi, je suis. Vous êtes juste dans une habitude où vous ressentez le désir, mais ça ne peut pas se vivre à l'extérieur de vous. Donc, vu que c'est une programmation qui est bien implantée dans votre vibration intérieure, du coup, ça devient votre réalité de vie. Vous allez attirer à vous des hommes, des femmes qui n'ont pas cette disponibilité, cette priorité, ça ne sera pas vous. Vous ne serez pas la priorité pour ces personnes-là. D'accord? Donc, pour pouvoir vivre une relation d'amour véritable
tel que vous le souhaitez vraiment, où votre désir et envie d'être en lien dans cette relation d'amour puisse se vivre, c'est possible. Mais ça va vous demander de sortir de cette programmation pour que vous puissiez créer une nouvelle programmation au niveau de votre vibration intérieure et cette programmation nouvelle qui est que, oui, j'ai un désir intense d'être dans une relation d'amour et d'être en lien, et je suis avec des personnes avec qui cette relation d'amour peut se vivre. Ces personnes qui ont les mêmes désirs que moi, les mêmes intérêts que moi de vivre la relation, où je suis aussi importante dans la relation pour l'autre, où je suis aussi prioritaire dans la relation avec l'autre. Vous comprenez? Donc, vu que c'est un schéma qui n'a pas été inscrit en vous dans votre passé, donc ce n'est pas un schéma qui est habituel, c'est normal que vous restez dans ce que j'appelle, moi, un malheur confortable. Vous voyez? Donc, du coup, ça demande vraiment de prendre conscience que de reprendre le lead, en fait, et le pouvoir de dire « Ok, ça suffit, basta, je ne laisse pas cette programmation décider de mes relations. J'observe juste que là, la priorité, c'est ce sentiment et ce désir qui s'éveille en moi. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je peux le goûter ou pas auprès de l'autre vraiment ? Mais ce que je ressens là ne détermine en rien. Ce n'est pas les sentiments que je ressens pour l'autre. Non, non, non. Ce n'est pas les sentiments que vous avez par rapport à la relation. Non, ça ne veut pas dire que la relation, elle est importante pour vous. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ça voudrait juste dire... Je me fais bouffer par les moustiques. Ça voudrait juste dire que dès lors que quelqu'un vous porte de l'intérêt, votre désir d'être en lien et en relation d'amour s'éveille. C'est ça que vous goûtez. C'est cette intensité que vous goûtez. Mais ce n'est pas les sentiments que vous avez pour cette relation. D'accord? Donc, je vous appelle, j'espère que cette vidéo, ça vous appelle à avoir de la vigilance, du coup. Je regarde mes notes si j'ai rien oublié. Et de vous positionner immédiatement. Mais quoi qu'il en soit, vous avez une nouvelle programmation, une nouvelle combinaison vibratoire à mettre en place pour que ce désir puisse se goûter vraiment. Qu'il y ait un prolongement et une projection possible, d'accord? Et que vous puissiez créer un nouveau schéma neuronal et un nouveau schéma vibratoire pour que cette relation d'amour puisse se vivre vraiment. J'espère que ça vous a amené de l'éclairage. Si vous avez des questions sur ce sujet, surtout n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Voilà, je serais vraiment ravie de pouvoir vous aider, vous accompagner sur ce sujet-là. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la aussi. Et vous pouvez l'enregistrer aussi. Ça vous permettra de la réécouter. Moi, je vous dis à très vite. Et je reste à votre écoute avec grand plaisir.